Vous avez enfin choisi vos études ? En route pour une nouvelle vie riche de savoir. Oui, c'est bien beau, mais comment financer tout ça ? Wow ! Les bourses sur critères sociaux vont vous permettre de financer vos études et de bénéficier de droits d'inscription à taux réduit. Mais attention, il faudra être assidu en cours. Même si vous pensez ne pas y avoir droit et que vous n'avez pas encore eu de réponse pour vos études à la rentrée, allez-y quand même. Faites la démarche. La demande est très facile. Il faut vous adresser au CROUS. Allô ? Ici le CROUS. Vous pouvez déjà commencer par faire une simulation en ligne pour voir si vous y avez droit. Et ensuite, vous pourrez toujours décider de changer vos listes de vœux plus tard. À partir du 15 janvier, rendez-vous sur le site internet du CROUS pour demander le dossier social étudiant. Mais attention ! Mieux vaut ne pas attendre le dernier moment, sinon la bourse ne pourra pas être versée pour la rentrée. Pour constituer votre dossier, il vous faudra votre numéro INE ou BEA, accessible sur votre relevé de notes, l'avis d'imposition de l'année précédente et choisir un mot de passe. Pour cela, cliquez sur l'icône « Demande de dossier social étudiant » et suivez les différentes étapes. Pensez à vérifier votre boîte mail, car le CROUS vous enverra un mail de confirmation. Vous recevrez ensuite votre dossier par mail qu'il faudra retourner par courrier accompagné des pièces justificatives. Une fois que le CROUS aura comme information que vous êtes bien inscrit, vous recevrez la notification définitive. Elle vous permettra de rembourser vos frais d'inscription si vous les avez avancés. Et vous recevrez ensuite votre première mensualité. Étudiant, pour demander une bourse ou un logement, c'est le moment. Rendez-vous sur le site du CNUS.